Actualité dans nos régions toujours, le gouverneur du Moyen-Chari, Aziz Mohamed Saleh, a procédé au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite à Sarre. C'était en présence des partenaires au développement et en santé. Kadnou Bathéophile. Dans son mot de bienvenue, le délégué sanitaire de la région du Moyen-Chari, Dr Yamadi, alias Ditangar, a tout d'abord demandé aux parents de sortir massivement avec leur progéniture afin de le faire vacciner, avant d'ajouter que la polio est une maladie virale qui n'a pas de traitement curatif. Le seul traitement que nous disposons à la santé, c'est la prévention. Et la prévention ne peut se faire que par la vaccination des enfants. Donc la campagne que vous aurez à lancer tout de suite, Excellence, concerne 249 337 enfants de la région du Moyen-Chari. Lançant officiellement cette campagne, le gouverneur de la région du Moyen-Chari a instruit les autorités administratives, religieuses et traditionnelles à une mobilisation collective afin que tous les enfants qui se trouvent dans les différentes localités de la dite région soient effectivement vaccinés lors de cette campagne. Le poliovirus sauvage rend infirme nos enfants. Nous avons fort heureusement un taux de natalité très élevé, mais il faut pouvoir protéger nos enfants. C'est pour ça que j'en appelle à ce que tout le monde ouvre leurs portes à tous ces agents vaccinateurs pour permettre de protéger nos enfants. Pour joindre l'acte à la parole, les autorités ont saisi l'opportunité pour administrer les deux gouttes de vaccin à quelques enfants présents au lieu de la cérémonie.